est en grève à la poste de Saint-Herblain depuis 10 jours contre les suppressions de tournées, contre la réorganisation du bureau en fait. On est extrêmement touchés d'être là parce que il n'y a pas beaucoup d'endroits en France où il y a de la combativité, où il y a des grèves reconductibles. Et nous, on a envie, même si on n'est pas travailleurs de la poste, d'appuyer de toutes nos forces ce mouvement-là. Moi, je parlais en tant que paysanne. Et on s'est dit, nous paysans, quelle manière on a d'être présents, comment on pourrait soutenir les luttes et les aider. Il y a une chose, nous, on vous nourrit. Donc, ce réseau de ravitaillement, vous pouvez le solliciter de nouveau. Si la grève continue, si vous dites demain on y est encore, je sais pas quoi, après-demain, on peut voir ensemble quand est-ce qu'on peut faire un repas du soir, une bouffe du midi, revenir pour un petit déj, etc. Sur les banques, en fait, au niveau paysan, il y a eu des grosses grèves, c'était sur le lait, donc c'était vraiment des grèves pures agricoles. Et en fait, c'est posé la question, effectivement, des crédits et des banques qui réclamaient l'argent. Des paysans sont allés occuper les banques et sont allés négocier avec les banques, par exemple, non, ce mois-ci, vous n'aurez pas l'argent, vous allez attendre et quand le conflit sera fini, peut-être que là on vous donnera de l'argent. Donc ça s'est déjà fait, donc voilà, il y a des fois effectivement on est dans la rue, on défile, on se promène, c'est bien. Mais des fois, c'est aussi une autre façon d'agir, c'est d'aller dans les banques et puis leur expliquer que ils vont attendre un peu. Ça leur fait pas de mal, je pense. Saint-Herblain ! Okay ! C'est simple en fait, hein. Yeah.
évidemment, aujourd'hui, l'unité a primé, c'est-à-dire que les camions syndicaux de la CGT et de Sud, et vous, les citoyennes et les citoyens, vous, je vais le dire, notre révolté, on a travaillé ensemble, et c'est possible, donc on peut continuer.